Là, on est sur le stand de Gamtel, qui on a déjà écrit des articles dessus, présente des petits accessoires pour transformer son téléphone en manette. C'est-à-dire sur lesquels on peut enclipser les téléphones, donc c'est réglable selon la largeur du téléphone. Et après, ça fonctionne en Bluetooth, si je dis pas de bêtises. C'est du Bluetooth ? Oui, c'est tous. Android et iOS. Ok, donc ça marche Android et sur iOS. Comme ça. Donc à distance, on peut utiliser la manette finalement à distance. Et directement branché sur un écran sur le port micro HDMI du téléphone. Ça fait quasiment une console de salon avec une manette sans fil. C'est idéal quand on commence un jeu dans le métro et qu'on veut le terminer chez soi tranquillement sur son canapé. On peut regarder rapidement. Voilà. Là, il va faire une mise au point. Des photos. Ok. Donc là, il y a 4 boutons de contrôle et 4 boutons directionnels. Alors, comment ça fonctionne avec les jeux Android? Est-ce qu'il faut configurer chaque jeu ou... Il y a un nombre de jeux, il y a à peu près 50 jeux maintenant. 50 jeux compatibles. Pour Android et à peu près 40 pour iOS. Ok. Et derrière, c'est. Est-ce que vous avez un prix? Allez. Un prix et une date de sortie? Oui, pour l'instant, ça vendre les prix de vente en Europe, c'est 58 euros à peu près. 58 euros? Oui, et 50 livres. Ok, 50 livres, qui fait à peu près 58 euros. Et ce produit est déjà disponible? Il est déjà disponible? Oui, c'est lancé en Europe le 22-23 décembre. Ok, donc juste avant Noël. Oui. Donc ça a été lancé juste avant Noël en 2011. Et donc ça va 58 euros sur votre site internet. On peut l'acheter sur votre site internet? Oui, sur Amazon, il y a un nombre d'autres sites internet pour l'instant. Sur Amazon aussi. Ok, très bien, ben, merci. Ok, c'est moi.